vient le Premier ministre, qui vient d'arriver et qui, dès sa première déclaration publique du général, a dit qu'il voulait réformer en profondeur l'organisation territoriale de la France. Alors saisissons cette occasion, saisissons cette opportunité, et moi je veux le dire très simplement, avec un mot d'ordre simple, réformateur de tous les partis, unissons-nous, quelle que soit la couleur de notre modèle. Décider et travailler en Bretagne dans la vie de tous les jours, de la construction d'une société ou de notable. C'est pour ça que nous, la marraine donne la guité en amont et vos retraites. Une vie de meilleure. Bon, ça te se reverra. Bonne année. Bonjour, alors vous êtes candidat aux européennes. Aujourd'hui, vous êtes là pourquoi ? Ben, je suis là comme depuis 1983, année de ma première participation à une manifestation pour la réunification de la Bretagne, c'est-à-dire ici à Nantes, parce que je suis un militant convaincu de la réunification de la Bretagne, voilà, et que nous sommes dans une période où il est aujourd'hui possible d'envisager à la fois cette... Bon. Non mais le micro... Le micro là-bas. Ok, d'accord, j'ai compris. C'est des adversaires politiques ? Non, mais... Oui. J'ai compris. C'est le genre de la police.